Discours adressé au peuple congolais. Mon peuple, en rapport aux réactions et propos des acteurs nationaux qu'étrangers sur la macabre situation de guerre et tuerie perpétrée visant la balkanisation de notre pays. Il n'est pas décisif ce qui nous attaque, mais ce que nous défendons. Et ce que nous défendons, c'est notre droit à la liberté, à l'autodétermination, les droits à une défense et gestion patriotique, à notre souveraineté, les droits à une vie digne, respectable et la restauration du respect de la nation congolaise par le monde. Le monde et son fonctionnement destructif sont en voie de changement. Plusieurs de nos compatriotes semblent ne pas les remarquer. Ils s'engagent volontairement dans le système d'or et déjà trébuchant en processus de décomposition globale. Pour quelles raisons insistes-tu sur la continuité de prédation? À vous de me les dire. Chers compatriotes, la coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo en cycle CNPCC sous la bénédiction de son leader politique et militaire, son Excellence William Amuria Kotumba, apparaît une fois de plus sur les ondes pour vous faire voir ses raisons de s'engager dans la guerre en République démocratique du Congo, qui en sont multiples, mais aujourd'hui, trouvons nécessaire de vous mettre en lumière seulement un seul motif, celui de l'agression étrangère qui tend vers la balkanisation de notre pays, que nous sommes tous appelés de défendre. Et cela au nom du Seigneur, l'éternel Dieu des armées, qui est notre Dieu. Lisez des Chroniques chapitre 7 et verset 14. Amen. Le peuple congolais, depuis son accession à l'indépendance, n'a jamais goûté la paix ni le bonheur de la richesse de son pays. Par contre, l'indépendance a marqué le début des misères, des calamités, des calvaires et des guerres que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Suite au refus total des propos et manœuvres impérialistes des colons par les pères de l'indépendance, lobby de partition de notre pays à la veille de la dite indépendance. Selon les Belges, l'indépendance nous serait accordée à deux phases. L'Ouest d'abord, tandis que l'Est resterait dans la colonie encore 30 ans, ce qui n'a pas arrangé Emery Patrice Lumumba, appuyé de la masse populaire de tous les coins et les recoins de la République démocratique du Congo. Cette situation créa ainsi un climat de mésentente entre Lumumba et la masse populaire acquise au changement d'une part et de l'autre part, le pays métropole associé à ses alliés corrompus, les conflits soldats à la liquidation des leaders communautaires, père de l'indépendance, Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. Cela fit la première stratégie arrêté par nos ennemis. Et ensuite, pour la deuxième stratégie, ils préconisèrent la transplantation d'un autre peuple non autochtone dans la chaîne de Momitumba, à l'est de la République démocratique du Congo, zone surnommée scandale géologique par les experts de la Communauté économique européenne, CEE, au cours de leur prospection effectuée après la Deuxième Guerre mondiale, suite à l'abondance et diversité des minéraux découverts dans cette contrée. L'histoire se répète. Les mêmes causes
sont à la base de la mort de M.Z. Laurent Désiré Kabila. Voilà la raison suscitant l'ennemi de pouvoir accélérer sa démarche orientée vers le néocolonialisme. Dans cette optique, ils envisagent dans leur plan l'utilisation des réfugiés rwandais pour cette fin, peuple qui a fui leur pays d'origine, le Rwanda, pendant la guerre de Kigali 5, datée des années 1956, 57, 58, traversant ainsi la Rusizi, puis accueilli et installé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, dans les trois camps, dont Katobo, Lemera et Murenge, dans la plaine de la Rusizi en territoire d'Uvira. L'ennemi a usé de toute son influence pour que ce peuple acquiert la nationalité d'origine congolaise et qu'il occupe cet espace stratégique aminéré et afin soit vêtu de pouvoir de la gestion des choses publiques du pays. Dans cet environnement, l'ennemi vise l'accès libre de son exploitation de nos ressources naturelles. Chers compatriotes, ne vous trompez pas et ne vous laissez pas tromper. La guerre que nous subissons, quelle que soit vêtue, paralyse de diverses connotations, envie de déstabiliser les patriotes, c'est une guerre de minéraux. C'est une guerre de minéraux nous importée par les groupes d'intérêt extérieurs qui téléguident les événements dans notre pays. Ainsi de leur répondant. Ils exploitent nombreux compatriotes à leur fin égoïste, tout en s'employant farouchement à diaboliser et dénigrer la force patriotique que le peuple congolais dispose. Leur obsession est orientée vers notre coalition CNPCC parce qu'elle est non achetable. Ils ont abusivement, dans nos noms, ils sont une immense des mensonges à notre encontre, sans titre, de manière sensationniste et à l'aide de certains compatriotes sur le terrain, les transforment à fond des commerces pour enrichissement personnel. Peuple, prends garde des bouches de miel, des cœurs de fiel. Chaque information leur fournie est à notre affaiblissement. Ils nous divisent, ils nous maintiennent divisés. Nous référons à cet extrait historique, si haut cité, sur l'entrée rwandaise en RD Congo, avec témoignage des HCR qui les a délivré les documents de mise en garde de ne pas s'impliquer dans la politique de la République démocratique du Congo pendant les événements de 1960. Compte tenu de leur statut de réfugiés rwandais, mais étrangers en RDC, les documents que la CNPCC dispose comme preuve incontestable par l'opinion tant nationale qu'internationale. Bien qu'il y ait eu tentative de leur livrer la nationalité illégalement dans la voie dictatoriale pendant la Deuxième République sous influence de Barthélemy Bisengimana Rwema, rwandais, ancien directeur de cabinet du fait Joseph Désiré Mobutu, qui n'a pas tardé d'abroger 3 ans après la promulgation de son ordonnance présidentielle de 1975, ainsi que le glissement de l'article 7 issu des accords de Lemera, déversé dans le projet de constitution et qui devient le 10e article sur l'influence de Joseph Kabila Kabange pendant l'exercice de son pouvoir. Projet qui est passé au référendum constitutionnel, sans toutefois passer à l'échéance ou étape de vulgarisation des textes constitutionnels au sein de la population, qui devait se faire pendant 90 jours avant la tenue des scrutins et qui n'a pas été fait. Mon peuple périt par manque de connaissances, par manque d'informations et formations politiques.
sans le savoir. C'est comme ça, le peuple congolais a voté positivement à ce projet qui deviendra la constitution de la République démocratique du Congo, paralyse de Joseph. Oh, on sera là-bas.